Alors, on est rendu au moment où on présente maintenant les lauréats des prix Excellence CPA. Every year, the Order presents the CPA Awards of Excellence to pay tribute to the men and women who contribute to the visibility of the profession and to acknowledge their ongoing leadership, dynamism, and community involvement. C'est un jury constitué de 5 membres fellow CPA qui revenait la tâche de recommander à l'Ordre les nominations de cette seconde édition des prix Excellence CPA. Ce soir, 9 membres se verront honorés pour l'ampleur de leur réalisation et les retombées positives que leurs actions apportent à la profession et qui méritent bien d'être reconnus. Pour ces présentations, j'invite sur scène Mme Hull, accompagnée du président et chef de la direction de l'Ordre, M. Daniel McMahon, FCPA-FCA. Mme Hull aura le plaisir de remettre les trophées des prix Excellence CPA, pièces exclusives créées dans les ateliers de la famille Desmarais, qui sont des artisans québécois, créateurs entre autres des trophées Arista et Jutra, que j'en doute pas vous connaissez bien. Je vous invite à consulter les biographies qu'on vous a données au début de la soirée pour voir, évidemment, l'ampleur des réalisations que les CPA ont faites et qui sont honorées. Alors, nous débutons les présentations avec le prix Excellence CPA Engagement social, qui met en lumière le rôle social des CPA et souligne l'engagement et le dévouement remarquable d'un membre envers une cause ou son appui indéfectible à un ou des organismes sans but lucratif ou philanthropique. Mais avant, on regarde une petite vidéo pour notre lauréat. Donna Salvati paves the way for the success of others using her strategic thinking. She is a model of selflessness and efficiency. Her generosity can only be measured by the huge number of lives she has touched. For Donna Salvati, community service means altruism, dedication, initiative. Sur scène, une dame dévouée, un coup de cœur du jury de sélection, lauréate du prix Excellence CPA Engagement social, Mme Donna Salvati. Félicitations, Mme Salvati. Le prix Excellence CPA Enseignement vise à promouvoir l'excellence dans l'enseignement des sciences comptables et à souligner l'engagement et la contribution remarquable des CPA qui assurent à la profession une relève de qualité et qui permet aux sciences comptables de progresser dans des domaines novateurs. Cette année, 2 lauréates ex aequo reçoivent ce prix. Regardons la vidéo de la première lauréate. Marie-Soleil Tremblay ne ménage aucun effort pour ouvrir les portes de la profession à la relève en créant du matériel didactique collé à la réalité. Maître de son sujet, c'est une auteure respectée qui transcende les frontières de sa discipline. Pour Marie-Soleil Tremblay, l'enseignement du savoir CPA passe par la pédagogie, l'accompagnement, la communication. Accueillons une membre empreinte de savoir, lauréate ex aequo du prix Excellence CPA Enseignement, Marie-Soleil Tremblay. Félicitations, Madame Tremblay.
Notre prochaine lauréate ex aequo du prix Excellence CPA Enseignement, Mme Lynn Couture, ne pouvait pas être avec nous ce soir. En lui remettant ce prix, l'Ordre reconnaît à Mme Couture son expérience, son dynamisme ainsi que son engagement auprès des étudiants de l'Université de Sherbrooke. Mme Couture se verra remettre son trophée en février prochain dans le cadre de la remise des permis du regroupement des CPA de l'Estrie. On continue. Bravo. Le prix Excellence CPA Entreprise souligne la contribution exemplaire d'un CPA qui, grâce à son expertise, son leadership et sa compréhension des affaires, a pu obtenir des résultats dont l'ampleur, l'importance et les répercussions méritent d'être reconnus hors du cadre de l'organisation pour laquelle il travaille. Manon, baisse le piton. Alexandre Descarry n'a pas froid aux yeux. Son approche digne des plus grands stratèges fait de chacun de ses projets un succès retentissant. L'hiver né, la croissance et la valorisation des entreprises sont ses priorités. Pour Alexandre Descarry, l'excellence en entreprise nécessite de l'audace, de la créativité, une vision. Accueillons un membre faisant preuve d'un leadership reconnu, lauréat du prix Excellence CPA Entreprise, Alexandre Descarry. Félicitations. Le prix Excellence CPA Jeune Professionnel vise à souligner la détermination, le dynamisme et la contribution d'un jeune CPA qui s'est illustré parmi ses réalisations ou qui a su relever des défis tant sur le plan professionnel que communautaire. C'est le temps pour la vidéo. La performance constitue assurément l'essence du talent de Marco Champagne. Dès le début de sa carrière, il se distingue par sa volonté de faire et son efficacité qui font de lui un professionnel de haut calibre. Pour Marco Champagne, le succès d'un jeune professionnel CPA est synonyme de leadership, innovation, professionnalisme. Accueillons un homme qui incarne le dynamisme, lauréat du prix Excellence CPA Jeune Professionnel, Marco Champagne. Faut pas avoir peur de crier pour les gagnants un petit peu, hein? On se laisse aller un petit peu. On est rendu à cette heure-là de la soirée, là. Sinon, buvez d'autres vins. Le prix Excellence CPA Recherche promeut la contribution de la recherche dans les nombreux domaines de compétences de la profession, notamment la certification, la comptabilité financière, la finance, la fiscalité, le management et la comptabilité de management. Il a également pour but de souligner l'incidence des découvertes sur l'avancement du savoir ou de la pratique professionnelle. Temps pour la vidéo. Dans le domaine de la certification, Jean-François Trépanier fait figure d'autorité et brille par son expertise pointue et ses succès. Son esprit méthodique fait de lui un virtuose de la recherche et de l'analyse des situations les plus complexes. Pour Jean-François Trépanier, la recherche doit servir la rigueur, l'efficacité, le progrès.
Accueillons un érudit de la profession comptable, lauréat prix Excellence CPA Recherche, Jean-François Trépanier. Ça va bien, on continue. Le prix Excellence CPA secteur public souligne la contribution exemplaire d'un CPA qui, par son expertise, son leadership et sa compréhension des affaires, a obtenu des résultats dont l'ampleur, l'importance et les répercussions méritent d'être reconnus hors du cadre de l'organisme public pour lequel il travaille. Cette année, deux lauréats ex aequo reçoivent ce prix. Voyons la vidéo de notre premier lauréat. Grand maître de l'administration portuaire, Luc Forcier sait voir le potentiel d'un projet là où les autres détournent le regard. Visionnaire, il est reconnu pour ses idées audacieuses. Pour Luc Forcier, le secteur public a besoin de CPA animés par la passion, le travail d'équipe, le défi. Accueille un homme déterminé, lauréat ex aequo du prix Excellence CPA secteur public, Luc Forcier. Maintenant, on va regarder la vidéo pour notre deuxième lauréat dans la catégorie secteur public. François Gagnon est un homme influent et polyvalent. Stimulé par le défi, il est passé maître de la rigueur financière et de la performance administrative. Sa détermination inspire et fait de lui un fier ambassadeur de la profession. Pour François Gagnon, les CPA dans le secteur public doivent se démarquer par la droiture, le sens civique, le dévouement. Commence à se réveiller. Parfait. J'invite un homme d'intégrité, lauréat ex aequo du prix Excellence CPA secteur public, François Gagnon. Et on termine ce tableau impressionnant avec le prix Excellence CPA Service Méritoire à l'Ordre, qui souligne le dévouement d'un membre bénévole ainsi que son engagement et sa contribution remarquable à la profession de CPA, qui sont habituellement concrétisés par une participation active au sein de comités ou groupes de travail, et ce durant de nombreuses années. Vidéo, s'il vous plaît. Benoît Caron est un leader inspirant. Son dévouement et sa passion n'ont d'égal que la pertinence et l'intelligence de ses recommandations. À lui seul, il incarne l'ensemble des valeurs qui font la marque des CPA. Pour Benoît Caron, le service méritoire à l'ordre passe par l'engagement, le dynamisme, l'initiative.
accueille un homme d'engagement, justement, lauréat du prix Excellence CPA Service Méritoire à l'Ordre, Benoît Caron. Félicitations à M. Caron. Félicitations à tous les lauréats. On peut reprendre nos sièges. Là, les nouveaux CPA, je sais que vous commencez peut-être à être un petit peu impatient, mais c'est la prochaine étape. On arrive à vous. Ça veut dire que le dessert s'en vient aussi. Mais avant de retourner au repas, on va voir une petite performance et je vous avertis que si vous commencez à vous endormir, ça va changer instantanément. Alors, permettez-moi, mesdames et messieurs, d'accueillir Elite Drums. On se retrouve à l'arrière.